Jeudi an ap prezento Desafi de Frank Etienne, premier roman ki ekri nan lang kreol haitien. Napre le ansam pou ki sa Desafi se yon chedev e pou ki sa aliv sa tou se yon piyes metres nan histwa litere lang kreol la, ça, Desafis, ça, ça tous, la an Haiti. Tout d'abo an ap prezise ke emisyon sa afet jeudi an an kreol pou de rezon. Desafi te ekri an kreol, donk nou vle prezante el En créole. Et deuxièmement, dans ce moment-là, c'est célébration langue créole. Là. Euh, des affiches par premiers œuvres qui écrit dans la langue créole. chukun que Oswald Durand écrit, c'était déjà au 19e siècle. Et bien avant, et bien avant, Mouraud de Saint-Méry, écrit un texte qui relève les aides qui te la plaine. C'est un texte qui, en créole, qui écrit déjà. En 1797, donc c'était bien avant. Alors importance Zèv Franck Etienne des c'est parce que c'est premier roman qui écrit dans langue créole haïtienne. Franck Etienne publiait des affi en 1975 et quelques années après, en 1979, il fait une version française qui relève les affres d'un défi. Alors, en préciser que ce n'est pas tout à fait une traduction, mais c'est plutôt Santa Carrelé, yon l'autre zèvre qui sont dans les qui sont dans la matrice des affi. Effectivement, il y a raison, parce que c'est un texte qui est très poétique et l'on appli au sentait que traduction littérale, pas impossible. Donc, c'est ça que fait Franck Etienne, Nabdi Pito, dit plutôt, adapté texte euh, créole en français. L'aide des affiches sorties en 1975, c'était un gros moment, c'était un événement en Haïti. En pile l'autre écrivain euh, martiniquais, tout l'autre écrivain et, qui gagne le créole comme langue maternelle, qui était salué, un gros travail comme ça, parce que pour eux, c'était langue qui a posé base, effectivement, pour une faire de langue créole, une langue d'écriture, une langue pour nous produire des littéraire. Alors, pour qui ça a des affiches, c'est un livre qui est si important? Eh bien, tout d'abord parce que euh, Franck Etienne démentit tout le monde qui te fait croire que créole, c'est un patois, c'est un dialecte qui parle vraiment en langue. Il prouve que son langue, ou qu'a créé la donne? Son langue qui a fixé, qui a développé, qui a permis de dégager. pa ket reg. Nan liv sa, Frank Etienne itilize yon stil ki abstre, donk li pa feme an dan histwa. Donk e, se yon liv ki tre poetik. Ma pli kek ekstre pou pou moun tro ki jan liv la ev. Pou mene boulose toutou ni, vlopi nan rayon, gaye nan lan moun, tet ka le bouda ouve. Anfouye lan madi, garaboda e maskaron, anfouraye lan deblouza e lan mou, ki les pa minon kap viv tout bon. Ki les? Nou perdi lan cheme ekraze de kwaze Nou fwose mache dwate Men nou pati kroshi Genmouman nou ple devire woun nan avi woun dede Nou deplase de, de grene Nap degouye devan derye Tete an ba Ki sa nap chache? Kote nou pre ale ki bon nou vle ale Nou ple de babye Nou pale ak tete nou devan glas Nou pale nou depale Parol nou vire lan ve. Parol nou chavire lan yon tan kaliko. Ki les ki tande sa nou di? Ki les ki chache komprend sa nou vle di? Se vre ke panon wap li liv la, alo koman se li ou ka panse pa gen istwa paske ou pran nan ton biyon mo ak bel ekspresyon ki ba ou tete vire. Men, a pati an sete mouman, men ki jan fanketjen fe personajon entre nan listwa. Sentil karikol sou yon fotey? Yon ma kon zon bi aje nou an ba pe vestil la. Sil tan a chita a dwad son chèz paye. A goch, zo fek an pe tou red ak yon fwet kache. Troa gro bougi mongou lik li men bo poto mi tan. Sentil tan men souke a son. Sil tan apitit mwen. Oui papa. Koute bien sa map di ou. Oui papa. Ou an chaje bay zon bi ou manje. Pa jambliye sel se poazon. Pa jambliye sa apitit mwen. Oui papa. Sentil sou ke yason, li pale langay, li vre gade a goch, ou mem zo fe. Oui met, ka le tet zombi yo blanche deme maten, an van sol eleve, bien ka le blanche chi, an van yal travay la marikay. Oui met, depi yon zombi manke, ferwok lo, filange poli, moulen vyan li, krabine zoli, krasi tet li, jouk li toune farin. Le fini, bwe san li. Pa dwe gen pas pou ki pou peson. Se mor ed pou en fe pa pou tout moun. Alors, jom sot li l pou wa istwa kontinue kon sa. En fèt, se yon bokor ki rele Saint-Ile, ki gen yon koloni zombi, avek yon akolit li, ki rele zofe. E donk, li gen yon pitit fil tou, kap travay avel, ki gen pou wol, e bay zombi yo manje. E donk, sa kwa l basi, se ke yon jou, Et eh bien, petite fille-là, qui s'appelle sultana, pour tomber d'amour pour une zombie qui est clodonis. Donc, ça m'a fait, libérer clodonis, zombie ça, et puis le bal magicelle. Clodonis, ça le fait lui-même. Et li et fait être l'autre zombie li libéré libère tout. Donc, il y a un soulèvement. Donc, qui fait que, bah, a fini mal pour et scintille. Alors c'est une histoire effectivement qui a un aspect politique fort parce que il y a écrit en pile sous ça il a pas oublier que livre la sorti en 1975 dans l'époque, Haïti était sous euh, une dictature sanglante de euh, Papa Doc et Baby Doc. Donc euh, dans lépoque époque là, c'est une façon pour Franck Etienne de et dénoncer les situations de répression que tu gagne dans le pays à l'époque. Et, par exemple, saint il c'est une incarnation, c'est très clairement, et je pensez qu'il n'y a pas photo, c'est une incarnation de Papadoc, François Duvalier, effectivement, qui utilisait un paquet de euh, euh, superstitions pour, pour le cas, zombifier peuple-là. Donc, je que c'est une image qui est très claire. Et puis, euh, bon, Zombio, évidemment, c'est un et donc, euh, et comme dans le fin roman, Zombio finit par révolter, donc, euh, et Franck Etienne, non, mais ça, c'était espérer que effectivement, à, au, à, au final, que peuple haïtien a fini par révolter. Bon, c'était ça a été fait effectivement. C'était presque prémonitoire parce que après, 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 vraiment plusieurs décennies de règne, peuple a fini par déchouquer le et, et régime et du Valier. Alors, des c'est un livre qui est très important. Et c'est un livre qui est important parce que c'est un livre qui est en belle langue, qui parle et qui écrit en créole qui belle en pile, on créole, qui est très et poétique. Uniquement pour raison de ça, seulement, on suppose, lit un livre comme ça. Et deuxièmement, et fonds livre là, tout important. Donc, je pense, histoire, sous question zombification, ils ont tiré un cap zombifié, et peuple là, je pense que c'est un sujet qui est encore d'actualité. sent-il zofor, existait encore en Haïti, et ils ont zombifié peuple là, même gens. Ils n'ont pas même visage là, mais ont toujours existé. Donc, les des de Franck Etienne, c'est une urgence parce que l'IVSA a son livre qui est toujours d'actualité.